ESP, École supérieure polytechnique de Dakar, avec sa bibliothèque hors pair, mais aussi avec les mercredis de ESP qu'ils veulent organiser. Plus d'explications sous le micro de l'ERL TV. Je m'appelle euh, Njendu, euh, je suis documentaliste, diplômé de l'école de bibliothécaires, archivistes et, archiviste et documentalistes. La bibliothèque, c'est une bibliothèque spécialisée. Hein. Euh, comme vous le savez, à l'université Diop, il y a une grande bibliothèque. Euh, ce qui, qui est appelé la bibliothèque universitaire, communément appelée bibliothèque universitaire. Cette euh, bibliothèque euh, engage quasiment euh, les, euh, toutes petites bibliothèques qui se trouvent dans chaque faculté, autant pour moi. Maintenant, nous sommes une bibliothèque facultaire ou si je peux m'exprimer ainsi. Nous ne sommes pas une faculté, nous sommes une école, mais nous sommes une bibliothèque spécialisée maintenant dans le domaine de l'ingénieur. Comme c'est une école spécialisée dans le domaine de l'ingénieur, notre bibliothèque maintenant aussi s'inscrit dans, ce, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette dynamique. On a maintenant une bibliothèque qui... Un peu hybridant à la fois, parce qu'on a une bibliothèque avec des, des collections euh, classiques, hein, les livres, les revues et tout ça. Mais on a aussi une bibliothèque euh, des, des plateformes numériques appelées. On a commencé à, à expérimenter notre plateforme d'ISPIS, qui est une archive institutionnelle. Cette archive institutionnelle permet aux chercheurs de déposer euh, gratuitement et en texte intégral leurs publications scientifiques, notamment les articles et les thèses. Maintenant, cette plateforme est disponible en, gratuitement et partout. Ça, ça valorise aussi la recherche. On a un projet de mettre en place aussi une bibliothèque numérique. On va structurer beaucoup de documents. Beaucoup de documents. Qui va nous permettre, si une fois on n'a pas le document en physique, on aura maintenant le document en sous format numérique qui, qui permettra maintenant aux usagers de, 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 les, de, les, de les consulter, même en étant chez eux. Là, je vous réponds catégoriquement les étudiants sont toujours là. Ils sont toujours là. De 8h à 19h, ils sont toujours là. Ils sont là pour faire à la fois des prêts. C'est-à-dire emprunter des documents, consulter sur place, mais aussi réviser leurs cours. Même consulter euh, les, les, les postes là, c'est-à-dire les ordinateurs, et faire des recherches sur les bases de données et tout. Donc, euh, de manière catégorique, je pense que les étudiants sont toujours là. Puis on a besoin de plus de livres parce que, comme vous le savez, en termes de recherche, les choses évoluent. Les choses évoluent, c'est-à-dire euh, le domaine de la recherche n'est pas statique. À tout moment, il y a des nouvelles connaissances qui, qui, qui évoluent. Donc, il faudra aussi, à tout moment, essayer de mettre à jour la bibliothèque, d'acheter de nouveaux documents, euh, essayer aussi d'abonner sur les revues, parce qu'à tout moment, les chercheurs produisent à une vitesse extraordinaire. Donc il faudra maintenant obtenir aussi ces, ces, ces nouvelles connaissances. Cela ne veut ne ne pas dire de, de, de se débarrasser des, des anciennes collections. Non, non, non. On a tous besoin des nouvelles connaissances, mais aussi des, anciennes, des, des anciens documents. Les mercredis de l'ESP, d'abord, euh, c'est une initiative euh, qui a été mise en place par euh, la nouvelle équipe de la direction. C'est une initiative aussi qui s'inscrit naturellement euh, dans le phénomène de la recherche développement, qui est au cœur euh, des priorités de cette équipe. Donc, maintenant, on a euh, quasiment deux aspects, hein, c'est-à-dire la recherche développement et euh, la visibilité scientifique de l'école. Euh, C'est dans ce sens maintenant qu'on a que l'école. Euh, s'est euh, proposé d'organiser plusieurs conférences et plusieurs euh, animations scientifiques mais aussi de mettre en place des mercredis suicides. Maintenant on lance un appel à tout le monde, hein. c'est pas tout simplement de l'école mais on voudrait nous voudrions vraiment que chaque mercredi ou bien chaque mercredi qu'il y ait un un chercheur venant soit de l'UGB, de l'Université de l'Université de Thiès pour maintenant donner sa contribution dans un domaine, euh, voilà, domaine quelconque. D'ailleurs, euh, le mercredi prochain ou l'autre mercredi, on, on, je pense bien, on va accueillir un, 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 un enseignant euh, qui, qui est au niveau du département de gestion de l'école de, 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 de l'ESP pour donner sa, sa contribution sa contribution en tout cas de manière globalement les mécrédits du site c'est un, euh, une initiative qui, qui, qui s'inscrit dans le dans le volet de valorisation de, des résultats de la recherche et la vulgarisation des résultats de la recherche parce que la recherche est un élément fondamental dans le domaine de l'enseignement supérieur donc, il faudra maintenant qu euh, que tout le monde, voilà, essaye de, 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 de s'adhérer à cette, à cette initiative. Je leur tous. Euh, de venir fréquenter la bibliothèque hein, parce que ça leur appartient, de venir euh, poser une question, demander des services. Donc on a même des, 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 au niveau de notre site des services euh, offerts par la bibliothèque. Donc il faudra que les étudiants se, 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 euh, se rapprochent de plus en plus aux, aux agents euh, du site pour maintenant euh, se bénéficier plus parce qu'on est, hein, est là pour eux, on est là aussi pour booster la recherche, que ce soit les étudiants, les chercheurs, tout le monde, on est là pour, pour, pour accompagner, accompagner l'enseignement mais aussi la recherche.